Le message de cette nuit sera tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. » Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Que cette année soit une année de succès, de bonne santé, d'exploit et surtout une année de solutions inattendues. Zambé Tata. Zambé nga na to dio poli nga meki yo pensi nga pema na fouti no côté Yolati singa I bolingo na yo mwana na zambe Yolati singa I bolingo na yo kosi na yo da beaucoup de gens ne voulez pas que je sois vivant aujourd'hui. Ils ont mobilisé les sorciers, les magiciens, les policiers, l'armée. Mais malgré tout cela, Dieu t'a gardé. Il m'a gardé aussi. À Dieu soit la gloire. Salika
ebonginga na yembela yoli banga na talo ebonginga na yembela yo elike basato il est roi à jamais il est roi à jamais seigneur à jamais le roi des rois à jamais tout puissant à jamais la copa mbo la lelo à jamais monte manangese peli aya salika e bongi ngana yembela yo mobundi bodoke Ebongi ngana yembela yo libanga na talo Yahweh Nzambe Yahweh Nzambe Mozi nanguya Okumisa bana yo libela Okumisa bana yo libela Okumisa bana yo libela s'intitule Deus ex machina. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Vous m'avez beaucoup dérangé. Je ne voulais pas parler. Mais maintenant je dois parler. Pourquoi je l'ai fait? Quand nous expliquons avant, vous allez voir un autre sorcier venir. Oh, moi aussi je connais ça. Alors on a fait exprès. Et ça a perturbé la ville. C'est trop simple à comprendre. Deus ex machina. Deus ex machina. Littéralement ça veut dire Dieu sort de la machine. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est notre Deus ex machina, ça veut dire qu'il est la source de tout pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Mais arrête pas là. Le Deus ex machina, Deus of machina désigne un Dieu qui intervient efficacement quand nous sommes dans le désespoir. Amen. Acclamons très fort. Alors les gens vont te dire, mais quel rapport cela a avec l'écriture qu'on venait de nous lire?
Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, on nous parle de la pêche miraculeuse de Pierre. Ce que vous devez retenir, c'est que cette pêche n'était pas programmée. Elle intervient pendant que Pierre était déjà découragé. Il était déjà désespéré. C'est à ce moment-là que le Deus ex machina apparut. C'est une histoire que vous connaissez bien, mais j'ai vraiment besoin de votre attention. Parce que cette année, c'est une année de solutions inattendues. C'est ça le rôle du Deus ex machina. Pendant que vous avez déjà perdu tout espoir, il apparaît. C'est ainsi que dans des familles bien où les gens sont reconnaissants, quelqu'un qui aide beaucoup les membres de la famille, ceux qui parlent bien la langue de Voltaire, parfois ils disent que lui c'est notre Deus ex machina. Mais n'accepte pas ce titre parce qu'il revient à une seule personne. C'est l'Éternel des armées. Alors, dans la lecture qu'on venait de nous faire, nous avons pris juste le cinquième verset. Parce que nous savons que pour le reste, vous connaissez comment l'histoire avait commencé. Tout le monde raconte cette affaire. On en parle de mémoire. C'est parmi les histoires les plus maîtrisées par les chrétiens. Et les gens sont convaincus que c'est ce jour-là que Pierre rencontrait Jésus dans sa vie. Si on t'a dit ça, c'est faux. Pierre était déjà habitué avec Jésus. Jésus, c'est un enfant de Galilée. Il avait des amis dans son quartier. Mais les amis ne connaissaient pas tellement son importance. Il avait l'habitude de réunir les gens dans leur quartier pour leur parler du Seigneur. Il visitait déjà Pierre chez lui. Mais Pierre ne trouvait pas son caractère extraordinaire. Si vous voulez savoir que avant ces jours-là, Pierre causait déjà avec Jésus et il ne l'avait jamais suivi. On peut nous lire Luc 4. Tu lis 28e verset, tu sautes, tu vas commencer encore à lire à partir de 35. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Continue, descendez à 38. 38. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il est prié en sa faveur. Acclamons très fort pour les rois. Souvent, les prédicateurs présentent les choses comme si Pierre a rencontré Jésus le jour de la miraculeuse. C'est faux. Pierre causait déjà avec Jésus. Et je vais vous situer dans la géographie et dans l'histoire. Galilée, c'est pratiquement le nord d'Israël.
C'est ainsi que vous allez remarquer que la Bible parle soit de la mer de Galilée, soit du lac de Génézareth, soit du lac de Tibériade. Il s'agit du même lac, mais qui porte trois noms. Pourquoi ce lac porte trois noms? C'est tout simplement parce que le lac séparait le village. Et d'ailleurs, sur le plan géographique, ce lac se trouve au niveau de la Galilée, qui est la grande juridiction. Mais la Galilée a son chef lieu. Ce que nous appelons chez nous les districts. C'est ce chef-lieu-là qu'on appelle Tibériade. Pourquoi on appelle ça Tibériade? C'est parce que la ville a été construite par Hérode Antipas. En mémoire de l'empereur romain Tibère. C'est ainsi qu'on donna le nom de l'empereur à la ville. Alors, comme le lac passait également à côté de cette ville, pour ceux qui habitaient Tibériade, c'était le lac Tibériade. Pour ceux qui étaient dans la vallée, parce que j'avais expliqué l'autre fois que le lac se trouvait à plus de 200 mètres en dessous de la hauteur du lieu normal de la mer. C'est ce qui faisait que la mer de Galilée était tout le temps agitée. Alors, comme on appelait cette vallée-là Génézareth, il y en a qui préféraient utiliser le nom du vallée. Alors, pour ceux qui habitaient Galilée, ils voulaient tout simplement dire que c'est la mer de Galilée. Ne soyez jamais surpris lorsque vous trouvez la Bible est utilisée indistinctement ces trois noms. Génézareth, c'est la vallée où se trouvaient les lacs. Tibériade, c'est le chef-lieu de la Galilée. Tandis que la Galilée, c'est toute la juridiction. Alors, Jésus, c'est un enfant de Galilée. Il connaissait bien des gens en Galilée. Et pour ceux qui connaissent un peu les villes côtières, ils savent que les villages ne sont pas trop éloignés des rivières. Parce que la rivière ou les lacs, c'est leur usine. Ils n'habitent pas trop loin. Et d'ailleurs, vous le savez, parce que vous voyagez beaucoup. Si vous faites attention quand vous êtes dans l'avion, quand vous quittez l'Europe, vous traversez, vous entrez par le Maghreb. Vous verrez que l'avion prend la côte. Quand il quitte le Maghreb, il fait le Sénégal, Gambie. On descend jusqu'au niveau du Ghana. Après le Ghana, on passe par le Togo. Après le Togo, on passe par le Gabon. Après le Gabon, on passe par Pointe-Noire. Vous aurez remarqué, pour ceux qui vivent de ce côté-là, que les quartiers sont voisins. Ozo. C'est ça la situation dans laquelle Pierre et Jésus se sont retrouvés. Donc Pierre connaissait que dans leur tiers, il y a un homme qui a l'habitude de parler de Dieu.
Il savait même qu'un jour, il était passé chez eux. Il avait guéri sa belle-mère. Mais ça ne le surprenait pas. Parce que les Juifs savaient qu'il y a eu des prophètes avant Jésus qui guérissaient les malades. C'est ainsi que Pierre disait que ce n'est pas la peine de le suivre. C'est déjà vécu. C'est déjà entendu. C'est déjà connu. Donc, quand Jésus vient demander la bague de Pierre, ce n'est pas comme on vous dit que non, ils ne se connaissaient pas. La Bible affirme, Luc 4:38, qu'avant ces miracles-là, Pierre était déjà, avait déjà reçu Jésus chez lui. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais que vous connaissez Dieu. Mais Dieu ne vous a jamais surpris. Mais en 2017, il y aura des surprises. Il y aura des solutions inattendues. C'est ainsi que quand Jésus guérit la belle-mère de Pierre, Pierre ne l'a jamais suivi. Il a continué avec son travail. Il y a des choses, mes amis, qui poussent les gens à s'attacher au Seigneur. Je voulais te dire que cette nuit, Dieu va te visiter. Ça va te pousser à s'attacher au roi des rois. Amen. Ne faut pas trop forcer les membres de ta famille pour qu'ils viennent avec toi ici. À part ceux qui vivent chez toi, les restes viendront d'eux-mêmes. Ils vont voir, avant le mois de mars, il y aura une suite des événements positifs dans ta vie. Alors, Pierre, évidemment, les villages de l'époque, c'était des petits villages. Ils avaient l'habitude de prêcher la nuit. Ça, nous le savons tous. Les poissons sont allergiques au bruit. Ça, c'est dans toutes les rivières du monde. Les rivières, les fleuves, les mers qui sont fréquentées par les bateaux. Les poissons ont tendance à descendre plus bas pour éviter les bruits des engins et se faire attraper. C'est ainsi que la nuit, c'est le moment favorable pour faire la pêche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. À ce moment-là, les poissons montent. Je voulais dire au peuple de Dieu que si dans votre famille, vous voulez attraper des poissons, évitez du bruit à la maison. Lorsque vous vous amaillez trop, les poissons vont fuir. Même au niveau de l'église, si vous voulez que l'église aille de l'avant, il ne faut pas qu'il y ait du bruit à l'église. Parce que la Bible dit, soyez en paix et le Dieu de paix sera avec vous. Lorsque cette nuit, que la paix inonde vos cœurs, que la paix entre dans vos maisons, que la paix entre dans vos familles, que la paix entre dans l'église image de l'Éternel. Que la paix entre à Kinshasa. Que la paix entre au Congo. Les pierres, c'était des pêcheurs professionnels. Le jour, ils dormaient. Mais la nuit, ils prenaient leur filet pour aller chercher les poissons. Pierre vient avec ses amis. Pendant toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et comme ce sont des villages côtiers,
La nouvelle était déjà partie que Pierre n'a rien eu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ta pauvreté. Mais ils ont oublié que dans votre quartier, il y a un Deus ex machina qui s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il est en train de chercher ceux qui ont échoué. Si tu avais échoué en 2016, je voulais te dire qu'en 2017, tu vas réussir au nom de Jésus. Alors, les gens qui ont propagé les nouvelles, là, ils ne savaient pas que Pierre coopérait avec Jésus. Mes amis, en théorie de la puissance, il y a plusieurs types de puissance. Nous avons les hard power. Nous avons les soft power. Nous avons les smart power. C'est-à-dire les hard power, c'est quoi? Hard power, c'est la force militaire. Il y a les gens qui réussissent parce qu'ils sont forts, soit physiquement, soit sur le plan militaire. Ces gens-là s'imposent. Mais il y a une autre forme de puissance. C'est le smart power. Ce sont des gens qui réussissent par leur intelligence. Mais il y a les soft power. Ce sont les gens qui réussissent grâce à leurs relations. Donc Pierre n'était pas seulement fort, mais Pierre était un homme de relations. Ah, lorsque en 2017 ici, que tu puisses avoir des relations avec Jésus. En 2016, vous ne vous êtes pas entendu avec lui. Mais en 2017, je vous demande de vous réconcilier avec lui. Dès ce soir. Alors, mes chers amis, dans la vie, ne néglige pas les relations. Je te l'ai dit. Ton problème, c'est que tu te chamailles avec tout le monde. Ne néglige pas ça. Tout, c'est toute une puissance. Quand il y a beaucoup de relations, ça va t'aider un jour. Alors Jésus a trouvé des barques. Il dit que j'ai déjà été chez Pierre. Je peux utiliser sa barque sans problème. Il va demander à Pierre de lui prêter la barque. Parce que la Bible déclare qu'il était pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu as soif d'écouter la parole cette nuit? Est-ce que tu as soif? Je regrette. Maintenant à Kinshasa, les gens n'aiment pas la parole. Les gens aiment les aventures. Mais quand Jésus termine, mes chers frères, il termine la prédication pendant qu'il faisait déjà jour. Il dit à Pierre, tu ne vas pas rentrer comme cela. Va dans les eaux profondes. Jette le filet. Je sais que quand on lit ces choses, on ne comprend pas bien. En matière de pêche, les instruments à utiliser dépendent de la profondeur des eaux. On utilise le filet pour les poissons qui montent pratiquement à la surface. Pour les eaux profondes, il faut les bateaux. C'est pourquoi j'ai pris le bon Dieu qu'il aide le Congo, mon pays. Notre fleuve a une longueur de 4700 km. Sixième au monde. Nous avons 82 lacs et rivières confondus. 82 lacs, pardon. Plein de poissons. Il n'y a personne pour acheter les bateaux. Tout le monde veut avoir des dips et importer des séchards. Et quand on va parler, on ne parle pas. C'est ma bouche. Je parlerai jusqu'au retour de Jésus. Qui peut se réveiller au Congo? Nous avons 82 lacs.
Le fleuve que vous voyez là, il commence depuis le Alaba. Tout ce qu'il fait, c'est tuer les gens. Il n'y a personne qui cherche à exploiter les poissons qui sont dans la profondeur. Alors, comme il commençait à faire jour, il y avait trop de bruit sur les lacs. C'est ce qui fait que Pierre ne voulait plus prêcher. Il va lui dire, Seigneur, nous avons péché partout là, toute la nuit. C'était une façon de lui dire que vous êtes en train de me déranger inutilement. D'ailleurs, toi, depuis que tu es né, on ne t'a jamais vu pécher à part tes prédications là. Mais Pierre va dire ceci: toutefois, sur ta parole, je vais jeter le filet. Quelle est la conséquence qu'il faut tirer de cet entretien? C'est que le filet n'était pas adapté aux pêches à l'eau profonde. Mais Jésus, il connaissait tout ça. Mais il va demander à Pierre, il va dire que toi, ne cherche pas autre chose. Va seulement avec le filet, jette-le dans les eaux profondes. Les poissons vont monter à la surface. Ma sœur, mon frère, en 2017, ne change pas de méthode de travail. Ne change pas de filière commerciale. Dieu va te parler ce soir, cette nuit, ce matin. Dieu te demande de ne pas quitter le grand marché. C'est seulement là où il va se passer quelque chose. Amen. Pierre part avec hésitation. Je sais qu'en 2016, on te disait que tu échouais parce que tu n'avais pas la foi. En 2017, tu ne vas pas utiliser ta foi. Nous allons utiliser la foi de notre pasteur. Que tu doutes ou pas, tu feras une pêche miraculeuse au nom du Seigneur Jésus. Sarah avait douté. Mais il y a Isaac. Je vous dis que l'an 2017, c'est une année de solutions inattendues. Pierre avait déjà perdu tout espoir qu'il pouvait rentrer à la maison avec quelque chose. Mais sur la parole de l'Éternel, quand il a jeté le filet, la Bible dit, les filets furent remplis de poissons. Au point vous les ai cassés. Mais qui a envoyé ces poissons là où toute la nuit on n'avait rien eu? Celui qui fait des choses comme ça, c'est le Deus ex machina. Là où il n'y a pas espoir, il fait renaître l'espoir. Mes chers amis, pour qu'on aime Dieu, Il faut qu'il soit différent du diable. Quel est ce Dieu qu'on doit prier pendant toute la vie? Souffrance sur souffrance. Même quand tu es convaincu que tu es épuisé, mais quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut y croire comme à ta propre vie. Pierre, après avoir écouté, il prend le filet. Il part, mais en parlant. Pour ceux qui connaissent le lac de Génézareth, il a une superficie de 166 km². Sa profondeur, c'était entre 40 et 49 mètres. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire avec le simple filet? Mais il y avait une parole derrière le filet. En 2016, tu as fait le commerce sans la parole. En 2016, tu es allé à l'école sans la parole. Mais en 2017, tu partiras au travail, mais accompagné par la parole de Dieu. Il y aura des chefs ici. Il y aura des millionnaires ici. Il y aura des milliardaires ici. Vous allez vous marier. Vous allez travailler.
au nom du Seigneur Jésus-Christ, je mets fin au chômage, à la pauvreté, à l'église image de l'éternel. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une église de patrons. Amen. Je vous demande de croire à ce que j'ai dit. Ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. Il va se passer quelque chose maintenant. Dieu va ouvrir les cieux. Dieu va ouvrir les églises des cieux. Il y a le sang de Jésus. Il va vous tomber sur la tête. Il va enlever toute la malchance que vous aviez. Dieu va saisir le cœur des gens pour qu'ils puissent venir te bénir. Tu n'as jamais vu des choses dans ta vie. Dieu va te faire rencontrer avec des miniers et des pétroliers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que je suis en train de dire là, ça va s'accomplir. Cette année, c'est une année de solutions inattendues. Je te demande, hein, enlève le calcul en toi. Dis à ton voisin. Dis à ta voisine. Même si elle est fâchée, dis-lui que tu as eu la chance de rester à mes côtés aujourd'hui. On ne parlera plus du Congo sans moi. Je demande à Dieu. Tu vas entrer au gouvernement, toi. Amen. Je demande à Dieu, tu vas gagner les élections au nom de Jésus. Tu seras à l'Assemblée nationale. Tu seras au Sénat. Ah, je suis en train de dire à Dieu, il va te donner des milliards. Tu seras comme Congo futur. Avant que l'État ne puisse prendre des lois économiques, on va d'abord te consulter pour savoir si cette loi est normale ou pas. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la parole. Ce jour-là, sur la mer de Galilée, il a créé les poissons qui avaient déjà disparu dans le lac de Tibériade. Lorsque la nuit d'aujourd'hui, que Dieu entre dans ta poche, qu'il puisse créer ce qui avait disparu. Que Dieu entre dans tes comptes à la banque. Que Dieu entre dans tes malles, dans tes valises. Qu'il puisse créer tout ce qui avait disparu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Rien ne peut lui résister. Parce qu'au commencement était la parole. Aujourd'hui, ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Ce que je dis là, ça va arriver au nom de Jésus. Et kokoma na kombo na Yesu Christu. Acclamons très fort pour celui qui vient. Lopeti maboko makasi. La Bible déclare, mes frères, Bible tatoli bandeko, que l'évangile est une folie. Maintenant, il faut croire à ce que je vous dis. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus Christ. Bien-aimé, Malingami, Pierre, Petelo, qui négligeait Jésus, quand il voit cela, il dit, pour la maladie, je n'étais pas convaincu. Mais où t'as mon qu'il est banda, bambi s'y aboye, nan nous n'amons en côté. Ce jour-là, dans la mer de Galilée, tout le monde ne chantait qu'au nom de Dieu de Pierre. Je voulais te dire que cette année, on parlera de Dieu. Maintenant, imaginez-vous les gens qui étaient avec Pierre la nuit, quand ils avaient fait un tour inutile, ils étaient là en train d'observer. Ils ont vu Pierre les appeler en disant, venez m'aider. Les bénédictions que nous aurons en 2017, nous ne saurons pas gérer ça seul. Dieu va nous bénir avec des usines. Nous allons engager beaucoup de gens. Nous allons engager des comptables, des informaticiens, des conseillers juridiques, parce que la quantité de poissons, la quantité d'argent est tellement importante. Donc, depuis que Pierre avait commencé la pêche,
Il n'avait jamais vu des choses comme ça. Il était habitué à pêcher ses cinq poissons, à mener à la maison, mais remplir les deux barques. Il a commencé à voir ça avec Jésus. Je sais que quand tu étais païen, tu avais les 100 000 dollars, mais avec Jésus, tu verras les milliards. Au nom du Seigneur Jésus, tu vas toucher ça. Mes chers amis, Baninga, le temps des miracles n'est pas encore passé. Bikamu, nous devons être errés sur la terre. C'est pourquoi Pierre posa la question à Jésus. Il lui dit, mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons devenir? Regardez, tu as abandonné l'impudicité. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je te l'ai dit, tu auras au centuple. À l'église, nous ne venons pas pour pleurer. À l'église, nous venons aussi pour louer. Mais comment nous allons louer Dieu si les maladies ne nous quittent pas? Pourquoi pas toute ta vie? Tu dois demeurer locataire. J'ai dit non. Ne compte sur personne. Nous avons le Deus ex machina. Quand il apparaît, les pleurs s'arrêtent. Quand il apparaît, les difficultés s'arrêtent. Quand il s'apparaît, les morts ressuscitent. C'est ça le Jésus que je suis en train de vous prêcher. Tous ceux qui l'ont rencontré sont devenus célèbres dans leur vie. Pierre, en tout cas, vous savez que Pierre est plus connu que certains chefs d'État. À part le président américain, qui est connu par tous, il n'y a aucun chef d'État qui est connu comme l'apôtre Pierre. Dieu va assurer ta renommée. On parlera de toi. Il rendra ton nom grand. Il avait rencontré Abraham. Il avait changé son nom. Mes chers amis, je voulais vous dire qu'il se produira des miracles inattendus. Tel que vous êtes là quand je parle, ceux qui sont malades, vous serez surpris. Quand vous allez dormir, vous allez vous réveiller. Les kystes vont disparaître. Au nom de Jésus, n'ayez pas honte de venir témoigner. L'heure des miracles à l'église du monde de l'éternel est arrivée. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie maintenant? Quels sont les genres de problèmes que tu as? Pourquoi tu dois continuer à souffrir? Les gens font le commerce pour aller de l'avant. Mais ton commerce à toi, c'est toujours des plaintes sur plaintes. Non. Tu dois te réveiller. Tu dois te ressaisir. Et comprendre qu'il y a les forces occultes qui s'opposent à ton élévation. Pierre, il était déjà désespéré. Mais il y a eu quelqu'un qui l'avait retourné dans l'espoir. Je voulais te demander, ne faut plus te suicider. Ne te suicide plus. Faisons confiance à l'Éternel. Oublions les hommes. Les hommes déçoivent. Même quand ils sont de bonne foi, des fois ils manquent les moyens. Je sais que maintenant le Congo, notre pays, passe des moments difficiles. L'argent est devenu très difficile. C'est la situation que Pierre a connue dans la mer de Galilée. Les poissons étaient devenus rares. Mais il y a celui qui a créé les dollars, qui a créé les zéros, qui a créé les qui a créé les livres sterling. Il est capable d'en créer spécialement pour toi, pour faire changer les choses. Ne pleurez plus. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Croyez que tel que je parle là, vous êtes béni. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter tout ça? Pierre, il a péché sur la parole. Cette année, quitte la vie de désordre.
Tu prends le thème. Vous allez comme la thème. Un jour, je vais t'attraper. Mais avant que je ne t'attrape, abandonne le tembo. Tika comme la tembo. Tu verras ce que Dieu pourra faire pour toi. Tu es jeune. Tu cours derrière les femmes mariées. Arrête ça. On va te tuer. Toi, tu trouves que c'est bien d'abuser de la femme des autres. On va te tuer. Abandonner le mal. Abandonner le mensonge. Abandonner le vol. Abandonner le chant. Abandonner la cigarette. Travaillez sur la parole. Vous allez voir, il va se passer quelque chose. Pierre. Il était basé sur son expérience. Il n'avait rien eu. Même si tu es belle, ne compte pas sur ta beauté. Invoque la grâce de Dieu. Il va te donner le mari de ton goût. Depuis un certain temps, à l'église, nous avons oublié le rôle de Dieu. Nous cherchons à faire des choses de manière mécanique. Non! Invoquons l'Éternel des armées. Mettons-le à la première place. Il combattra pour nous. Il ouvrira des portes pour nous. Ne comptez pas sur le nombre de vos diplômes. Pour étudier, et toujours. Étudier beaucoup. Même s'il faut avoir 15 diplômes. Obtenez-le, mais comptez sur la grâce de Dieu. Elle est au-dessus de l'intelligence. Elle est au-dessus des forces physiques. Elle est au-dessus de toute forme de connaissance. Cette grâce-là, elle tomba seulement sur Pierre. Et pourtant, ses collègues étaient la même situation. Regarde qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes là, il y en a qui dansent dans des boîtes de nuit. Toi, au moins, tu as eu l'occasion d'écouter les deux ex-machina. C'est une grâce que tu as trouvée devant Dieu. Je vous dis, il n'y a personne qui aide les gens dans la vie comme Jésus. Si tu le crains, si tu l'invoques, il finira par opérer des miracles dans ta vie. Nous voulons terminer. Le Deus ex machina voudrait dire quoi? Nous avons fait voir, c'est une expression d'ailleurs très connue, qui veut dire tout simplement que Dieu est la source de tout et il a des solutions inattendues. Ce que nous voulons te dire, c'est que cette année, prends comme source seulement Dieu. Il y aura des solutions inattendues dans ta vie. Quand le médecin te dira que ta maladie est incurable, lui apportera la guérison. Quand le patron te dira qu'il n'y a plus d'emploi pour toi, lui va te donner une entreprise. Quand la pauvreté te dira que tu ne vas plus devenir riche, lui te donnera la richesse. C'est ça le Deus ex machina. C'est le Dieu qui vient au secours de ceux qui sont désespérés. À partir de ce soir, ne désespère pas. Amen. Je vous dis que la parole que je vous prêche va faire que Dieu puisse vous faire rencontrer avec un mari capable, un mari tendre, un mari à la longue poche. Après sa talate, amen. Alinga talate. Amen. Donc c'est pour vous faire voir ce que Dieu est capable de faire. N'allez pas ailleurs. N'allez pas chercher la magie. N'allez pas chercher le fétiche. Le Deus ex machina existe effectivement. Nous avons vu il agit dans la Bible. Nous vous avons donné des exemples. Je peux vous en donner encore. Dieu va permettre que tu puisses les rencontrer sous forme des hommes en mi-chemin pour qu'ils puissent changer ta destinée. Ne pleure plus. Enlève les soucis. L'heure est arrivée où les gens vont parler du bien de Dieu, de Pasteur Godin Poy. Ta famille,
va voir ce qui va t'arriver cette année. L'année passée a souffert. Mais cette année, tu seras le Deus ex machina de ta famille. Tu seras le Deus ex machina de tes amis. Tu seras le Deus ex machina de notre église. Dieu est capable d'appeler des choses là où il n'y en avait pas. C'est lui qui avait appelé les poissons dans les lacs de Galilée. Il va appeler l'argent dans tes poches. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? C'est ça le message que j'avais pour vous en début de cette année. Je voulais me résumer pour vous dire que l'année qui a commencé aujourd'hui, c'est une année de solutions inattendues. Pour les filles, on va te draguer le matin. On va te doter à midi. Et le soir, tu es chez toi. Amen. Vous n'avez pas bien répondu. Ah, vous ne connaissez pas les choses. Vous avez déjà rencontré un fiancé qui vit aux États-Unis. Donc pendant qu'il va faire le check-in pour rentrer le soir, vous vous rencontrez avec lui en ville. Il t'aime. Vous rentrez avec lui à la maison. Il verse la dot. Ça va s'accomplir dans cette église. Dieu n'est pas content lorsque nous sommes dans la souffrance. Les années passées, nous avons souffert. Mais 2017, ça sera une année de solutions inattendues. Là où tu attends les quêtes, Dieu va te donner l'esprit de vie. Amen. Là où tu cherches la garantie, Dieu va te donner les immeubles. Quand tu cherches à devenir sentinelle, tu seras nommé ministre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez vivre des choses de manière désordonnée. Vous voyez, vous les passez ici. Avant la fin de 2007, vous serez dans les avions. Retenez ce que je vous dis là. Vous allez voir là où on a enterré François Mitterrand. C'est déjà arrivé. Lui, il est là, il est témoin. Sa famille en Europe était surprise d'apprendre qu'il arrivait. C'est comme ça que ça va se passer. Un jour, vous serez toujours là. Je vais ici avec le policier. On vous prend de force. Nous arrivons à l'aéroport. À partir de l'aéroport, je vous mets tous sur Sabena. Destination Canada. Amen. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de voir des choses. Avant la fin de 2017, il y aura trois frères qui seront nommés par ordonnance présidentielle dans cette église. Deux seront ministres. Amen. Deux seront nommés ministres. Un autre sera DG. Ça va arriver au nom de Jésus. Tel que je suis en train de parler là. Le cuivre est en train de récupérer sa valeur. Dieu va faire en sorte que tu deviennes associé des miniers. Tu feras des grandes affaires au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le Deus ex machina. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Quand tu rentres à la maison, dis à tes parents, à ta femme, à ton mari, que l'année qui vient de commencer ici, c'est une année de solutions inattendues. C'est parce que vous ne connaissez pas bien Dieu. Il y a des gens à qui les bailleurs vont donner des parcelles au nom de Jésus-Christ. C'est déjà arrivé. Que Dieu te bénisse, mon fils. Il y a des gens parmi nous ici. On va leur faire cadeau des maisons en Belgique. Ça va arriver. Enlevez de vos têtes que nous prions pour avoir $1 million. Ça ne va pas résoudre nos problèmes. Dieu va commencer par 20 millions jusqu'au-delà. Comme ça, le monde saura que celui qui avait multiplié les poissons
à l'époque de Pierre, il est capable aujourd'hui de multiplier nos 100 dollars. Que les 100 dollars que tu as, que tu les multiplies par millions et par milliards. À partir d'aujourd'hui, ne pleurez plus. Ayez de l'espoir. Jésus est au milieu de nous. Cette année, il sera avec nous partout. Enlevez les soucis. Ceux qui ont le cancer, ceux qui ont le sida, ceux qui sont déjà désespérés, Jésus va vous visiter cette nuit. Vous avez de l'hypertension. Voyez le médecin lundi. Et vous allez témoigner Jésus. La parole que j'ai sortie cette nuit, elle va vous toucher. Elle va vous guérir. Elle va vous bénir. Ne marchez plus avec les soucis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et l'icolo na biso, toza na mutu, wa aleki batu, wa asalete batu, non so bazala. Amen. Mutu wa na za mutu na biso. Amen. Azanzambe na biso. Amen. Azayaya na biso. Amen. Qui veut voyager cette année? Nanya niko bembu kambula oye. Bon, mon nere botombo li msekwa. Et koki sami au nom de Jésus. Amen. Mais place pour vous qu'il y ait l'église image de l'éternel. Amen. À partir de l'élo, nasopi molimo ya Canada. Au. Amen. Nasopi molimo ya Amérique. Amen. Nasopi molimo ya Belgique. Amen. Ya France, ya Paris. Amen. Molimo mbazangu na bwende. La tabato monisco. Amen. Na batwa yisaide. Ne batufo bakende ka babisika wana. Mais pour Nabiso Batotikali, Paris, Bruxelles, Rome, Washington, amen. Ottawa, amen. Doha, amen. Shanghai. Amen. Donc, Mokili, Tokoyoka, il y a Mokili, Moule, Zomanda. Amen. La ligne Nabi Sabino qui passe Nabiso, Namboulo, Ebandi, Esalini, Esili, Esengoye, Bokanga Makambo, Nazo, Ebi Sabino. Mais il y a une condition. Faire tout. Selon la parole. Vous devez vous habiller selon la parole. Vous devez boire selon la parole. Vous devez travailler selon la parole. Vous devez faire les affaires selon la parole. Ce n'est pas en trichant. Et Dieu va vous élever. Quelles que soient les conditions, il faut dire la vérité. On avait un corps qu'on appelait dans ce pays la garde civile. Ils ont arrêté un frère. Ils lui ont pris l'argent. Le frère avait caché une partie d'argent dans son sous-vêtement. On lui dit, c'est tout ce que tu as comme argent. Il a dit oui. Ils ont pris. Il a dit à la garde civile, ils ont dit à la Zoba, mais quand ils partent, le frère se souvient qu'il avait menti. Il va encore suivre la garde civile la nuit. Il dit non. Vous voyez l'argent que vous avez pris là. J'avais gardé une partie dans mon souvenir. Prenez encore. Le lieutenant de la garde civile, appelle ces gens. Abengi batonaye. Il dit, alobi, depuis mon bandi moussana la garde civile, moussi mon mona moutou, mon boutou liye mbong, moutou mou landi bino mou laksim bong mou bombaki. Moutou na boye mouzana doki, mou li koubou masoda, mouzom bongo na ye, mouzong selaye. Amen.
Ils ont pris tout l'argent. On lui a remis mes enfants. Marchons dans la droiture. Marchons dans l'intégrité. C'est ça qui va permettre Dieu de multiplier ce qui manquait dans notre vie. Laisse que l'année qui vient de commencer aujourd'hui soit une année de solutions inattendues. Là où vous attendez le vélo, qu'on vous donne un hélicoptère. Là où vous attendez la garantie, qu'on vous donne un immeuble déjà conçu par Vodacom. Là où vous n'attendez rien, que vous soyez nommé, devenez associé dans de grandes sociétés. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Amen. Réussissez dans tout ce que vous allez faire. Ne jouez plus. Et surtout pendant cette année, ne travaillez jamais la nuit. Je ne parle pas de la nuit de maintenant. Cette année, travaillez dans la droiture. Ne faites pas du mal. Le Dieu de multiplication, il va reprendre l'opération de multiplication dans votre vie. Je crois que c'est ça le message que j'avais pour vous en ce début de l'année. J'ai terminé ce que j'étais venu faire. Je dis qu'en ce début d'année, c'est ça le message que j'avais pour vous. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, ses serviteurs et ses servantes. Protocole, technicien, chante. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet, sur WhatsApp. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Nous acclamons très fort pour Jésus. Na katia lopango